comme chaque soir de la semaine, de 23h à 1h. L'antenne d'Europe 1 est ouverte au 39-21 pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté et en toute sincérité de tout ce qui fait votre vie. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie d'apporter votre soutien à un auditeur ou un éclairage par rapport à ce qui est dit à l'antenne, eh bien vous pouvez également appeler le 39-21 à tout moment au cours de l'émission. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit SMS au 7-21-21. Code nuit. Ce soir, au Standard Europe 1 39-21, vous serez accueillis par Quentin et Assiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez... non, ça je l'ai dit, hein, vous... c'est parce que j'ai des courriels sous les yeux. Justement, il y a Cash, alors il a mis sa petite abréviation, il nous écoute de Philadelphia et il me dit, allez, un petit conseil pour faire un petit peu plus branché quand vous appelez les adresses web, pas besoin de dire HTTP, vous dites juste www.lesite.com. Merci en décrire de Philadelphia. Maintenant, je serai plus branché quand je citerai effectivement les adresses de sites grâce à vous. Allez, on va démarrer tout de suite avec Philippe. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Philippe. Je vous remercie de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Je vous rappelle, à vrai dire, parce que je vous avais il y a 15 jours, je pense, une quinzaine de jours. Oui. Voilà, je vous ai fait part à ce moment-là d'une relation via un site de rencontre sur Internet où, pour lequel je m'étais enflammé et je croyais que c'était réciproque. C'était réciproque jusqu'à il y a assez peu de jours. Donc une relation dans les chats très forte, hein, tout simplement. Avec la personne qui n'a jamais franchi le pas pour m'appeler, parce qu'elle avait mon numéro de téléphone. Et donc, il y a 2 jours, je me connecte, elle me répond, et de façon espacée. Et je comprends vite fait qu'elle était en chat parallèle avec quelqu'un d'autre. Je lui dis, je lui marque, si c'est le cas, il suffit de me le dire, elle me répond pas vraiment. Et ce soir, donc, je me reconnecte 2 jours après, et elle est sur le chat, et bah, donc forcément avec quelqu'un d'autre. Alors, bon, ça fait un peu une soirée conduite, donc je lui ai envoyé un mail qu'elle n'a pas reçu, là, qu'elle n'a pas consulté encore. Conséquent, par rapport à l'amertume, hein, parce que je pense que c'est le terme, il n'y a pas de... l'amertume qui est mon sentiment, et mail correct, hein, mais bon, voilà... l'impression d'être un collégien dans une cour de récré qui n'a jamais posé ses lèvres et qui subit des affres du jeu de la séduction virtuelle, quoi. C'est voilà. C'est la première fois. Non, alors j'avais rencontré sur un autre site une personne au mois de juin, quelques échanges, une rencontre, mais ça n'avait pas été plus loin. Et là, beaucoup d'échanges, mais pas de rencontres. Voilà, ce sera ça. Mais je me souviens, oui, vous étiez assez, vraiment très troublé, hein, par ces échanges-là sur Internet. Enfin, vous sentiez déjà assez, peut-être pas amoureux, mais enfin assez épris d'elle. Épris, oui, c'est le terme. Il y avait des termes forts, hein, il y avait des petits mots doux, il y avait des, je pense, ce que je pensais réciproque. Comment dire, une harmonie, quoi, mais avec la limite de l'échange écrit et donc du fait qu'elle n'a jamais franchi le pas pour m'appeler, ce qu'elle, au dernier contact, ce qu'elle s'apprêtait à faire à terme, enfin à court ou à moyen terme, et puis là, hop, ça bascule. Avec toute la spécificité qu'on ne sait absolument pas forcément comment ça se passe dans l'échange qu'elle peut avoir avec quelqu'un d'autre, mais je crois que le mieux est s'incliner, s'incliner, je veux dire, si cette personne-là a besoin, après ce qui a pu être dit, d'éprouver le besoin d'échanger avec quelqu'un d'autre en même temps, parce que non, vaut pas la peine, quoi, je crois. Enfin, moi, oui. Ma conception, c'est un peu oui. Dur, mais...
Oui, parce que vous aviez déjà investi la relation, c'est-à-dire que vous n'aviez plus d'échange avec d'autres internautes, avec d'autres femmes. Voilà, j'avais des sollicitations auxquelles je ne répondais pas. Mm-hmm. Oui, puisque vous étiez déjà dans cette relation-là, dans l'attente de la rencontrer. Voilà, exactement. Après mon dernier message de ce soir... Vous lui avez envoyé, là, tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, mais elle n'a pas lu encore, parce que c'est assez récent. Oui, la fin, implicitement, il y a une ouverture. Quoi. Enfin, vous lui laissez une ouverture? Je laisse une ouverture, c'est-à-dire je... Oui. Mon dernier mot, c'est bonne continuation, mais juste avant, c'est le vœu que... j'aurais aimé un profil et j'avais l'impression, sans que j'ai besoin qu'on me le confirme, que ça a été le cas quelques secondes réciproquement. Quoi. Voilà. Un profil c'est... Son profil, je veux dire sa photo, ses photos, son annonce, ses échanges et tout, parce que tout ça n'est que virtuel, hein, bien sûr. Mmh. Mais vous l'aviez ça déjà? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça, hein, vous aviez tout ça. J'avais. Oui. Plein de photos. Et donc ça, en fait, c'est vos échanges, vous les aviez depuis, puisque nous on s'est parlé il y a 15 jours, mais avec elle, un mois. Mmh. Oui, c'est fou parce que ça montre qu'en un mois de temps, au fond, il y a rencontre et presque rupture par mail. C'est étrange hein, maintenant, vous être rencontrés. Enfin, ce sont des relations qui peuvent être assez étranges au fond. Maintenant. Ouais, c'est vrai, tout à fait, avec même je me souviens, une fois un malentendu, un accrochage même par le chat, c'était très très surprenant, sur une personne bien évidemment que je n'ai jamais rencontrée, dont je n'ai jamais entendu la voix, mais avec aussi des déclarations fougueuses. Voilà, c'est très très surprenant. Hein. Ouais. Mmh. Oui, il peut se passer des choses comme ça assez étonnantes, assez surprenantes sur la toile, parce que finalement... Tout est possible, tout est amplifié, voire même démesuré, puisqu'au fond, ça, à la fois, pour certains, ça n'engage pas, puisque ça reste virtuel. Donc, y compris dans, on le voit bien, dans l'excès, dans l'extrême, dans les démonstrations. Quelle qu'elle soit d'ailleurs de d'amour ou de haine. Oui, on le voit dans les déclarations enfin qui sont faites, c'est très facile d'envoyer des messages par exemple d'insultes ou puisque tout ça reste on se retranche derrière un pseudo parfois enfin souvent d'ailleurs c'est pas parfois c'est derrière un pseudo donc c'est très facile derrière des écrans. Mais là dans ce cadre d'échange ben vous oui, je comprends votre amertume parce que vous étiez investi et puis vous vous rendez compte que bon cette femme elle pourquoi vous ne vous l'aviez pas rencontrée au fond? Parce qu'elle. Moi j'étais prêt, hein, j'étais absolument prêt, parce qu'elle a eu mon numéro de téléphone au bout de. Je lui ai donné mon numéro de téléphone au bout de 15 jours, je pense, ou un truc comme ça. Elle prétextait qu'elle n'aimait pas le téléphone, elle n'aimait pas s'exprimer au téléphone, et qu'elle téléphonerait pour fixer le rendez-vous, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Bon, après, il y a des contingences de chacun de nos enfants, des deux côtés. Bon, il fallait. C'est quand même 30 km de. Elle est quand même à 30 km de ma ville. Hein. Je me souviens, mais c'est rien, 30 km. Oui, c'est je me souviens aussi vous avoir dit ça. 30 km, c'est rien. C'est vrai que je me souviens maintenant, vous avez des enfants. Enfin, bon, il y a une organisation, mais au fond, c'est pas grand-chose. Mais vous savez aussi, Philippe, qu'il y a des personnes qui fantasment, enfin, qui ont besoin de cet échappatoire, au fond, et qui parfois ne vont pas ou pas au bout de la rencontre, parce qu'elles ont peur, parce que homme ou femme, hein, je parle de personnes qui ne sont pas prêtes, qui au fond aiment rester dans le virtuel. C'est peut-être au fond le cas de cette femme. Ben oui, et puis moi je pense que là, vu la proximité géographique, tout ça, ce genre de truc, si ça avait dû se faire, ça serait
fait. Moi, c'est ce que je trouve surprenant, étant donné la façon dont vous me parliez de l'intensité de vos échanges. À un moment, on trouve le temps, le moment, enfin, moins de se rencontrer. Mais il y a des personnes qui se nourrissent de cela pour échapper à un quotidien qui est pas forcément toujours très très drôle, mais qui ont peur d'aller après dans la vie réelle. Et puis sans compter tous ceux qui s'inventent une vie à travers le net. J'en discutais une fois avec un chauffeur de taxi qui m'avait dit que la babysitter qu'il avait engagée, il avait découvert qu'elle allait pendant le temps où elle gardait où elle était supposée garder les enfants sur des sites comme ça, et où alors elle s'était carrément inventé une vie, hein, où elle se disait qu'elle était hôtesse de l'air, où elle se décrivait avec une vie où elle s'était vraiment décrite comme ayant des mensurations de rêve et tout. Et il disait que bon, la pauvre, dans les faits, c'était pas du tout le cas. Elle avait un physique plutôt ingrat, et bon, et elle a dû faire cette dame fantasmer beaucoup d'hommes et qui ont dû se dire, tiens, pourquoi je l'ai jamais rencontrée, cette femme. Et dans les faits, bah oui, et pour cause, bon. Pour cause, ils l'ont jamais rencontrée parce qu'elle s'inventait complètement une vie. Alors, je dis pas que c'est le cas de la dame, mais voyez, il y a aussi, il y a tout. Alors, vous pouvez aussi tout à fait rencontrer quelqu'un avec qui vous allez ressentir des affinités, et puis que la rencontre dans la vie réelle se passe bien. Hein. Oui, voilà. Ouais. Donc. Ici, j'avais des assurances ce hiver à basculement sur le réseau social, via le nom de famille et tout. Donc, je veux dire, je savais que c'était réel. Je veux dire, les informations que j'avais sur elle. Après, c'est plus, si vous voulez, bon, moi, je parlais d'amertume, petite culpabilité d'avoir évoqué ça à mes proches, un peu de façon enflammée, trop tôt, bien sûr. Mmh. Et si vous voulez, Mais vous y avez cru. Voilà. Vous en avez parlé. Exactement. À vos proches, à qui vous en avez parlé? Des amis, écoutez, voilà. c'est pas grave, ça. Non, je prends pas comme ça, mais des fois je me disais bon. Non, des amis. Je me surprenais à dire quand vous la rencontrerez, quoi. Voilà. Oui, c'est plus embêtant pour vous parce que vous avez cru à cette histoire, mais vos amis, écoutez, ça c'est pas un problème. Ces amis ont, c'est important, on se confie. Et vous, à ce moment-là, ça occupait, cette femme occupait votre esprit, et vous aviez envie, vous projetiez dans une rencontre, et vous aviez envie de la rencontrer, de la leur présenter. Oui, bah oui, bien sûr. Mais vous allez à un moment, vous présenterez bien une nouvelle compagne à vos amis. Oui, donc c'est partie remise. Allez, on va accueillir Chantal qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, on vous écoute parce que l'histoire de Philippe vous inspire. Hein. Voilà, en fait, c'est-à-dire que ça me renvoie un petit peu à une histoire qui n'est pas tout à fait semblable, mais si vous voulez, le processus est le même. Moi, j'ai rencontré aussi quelqu'un comme ça sur un site. C'était la première fois que j'y allais et je commence à parler à quelqu'un qui lui-même était sur ce site et qui le quittait. Donc, on a tout de suite échangé nos mails. Et donc, on a correspondu après, hors du site. Oui. Et on a correspondu comme ça pendant presque 6 mois. Presque 6 mois sans se rencontrer. Donc, moi, pendant ces 6 mois, j'ai complètement imaginé une personne que j'ai certainement créée de toutes pièces, parce que ça correspondait peut-être à un manque que j'avais, moi, à ce moment-là. Et c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, quand il m'a proposé une rencontre, je suis allée rencontrer cette personne et j'étais déjà complètement amoureuse. Sans l'avoir connue, enfin après avoir vu une photo, mais après, sans l'avoir connue physiquement, mais après avoir échangé beaucoup, beaucoup de choses sur lui, trouvé comme Philippe beaucoup d'affinités et avec beaucoup d'espoir. Mmh. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte après que, enfin très rapidement, que cette personne ne pouvait pas me correspondre, mais il était malheureusement, enfin je dis malheureusement, pour moi trop tard, quoi.
parce que j'étais déjà complètement éprise de lui. Donc je me suis engagée dans une relation où intellectuellement je me disais que je ne pouvais pas être heureuse avec cette personne, mais où j'étais très attachée. Et ça a duré 3 ans. 3 ans de relations très très chaotiques, très perturbantes, et qui a fini récemment là, parce que c'était invivable et que je me détruisais. Alors, c'est pas la même chose, mais c'est pour dire que c'est peut-être mieux si la personne ne veut pas venir que de pas investir trop rapidement, quoi. Et pourtant, vous nous dites que vous vous rendiez compte qu'il ne vous correspondait pas, mais en même temps, vous étiez amoureuse de lui. Oui. C'était au niveau du caractère. C'était une personne qui était psychorigide et c'était très difficile. Et je crois que moi, je n'ai pas eu le courage de reconnaître mon erreur. Vous étiez tombée amoureuse de lui finalement en correspondant avec lui. Tout à fait. Avant. Tout à fait. L'imaginaire. Enfin, dans l'imaginaire. Pas tant dans l'imaginaire, mais dans ce que vous aviez construit de lui avant de le rencontrer. Dans l'imaginaire, dans la projection, imaginiez de lui. Oui. Virtuel, et je m'en suis rendu compte, mais peut-être par... La réalité était tout autre. Ouais, et peut-être par péché d'orgueil, j'ai pas voulu, ou je me suis dit je le ferai changer, ou bon. Puis malgré tout, il y a eu des bons moments, et je me suis rendu compte en même temps aussi, enfin j'ai appris après que pendant ces 6 mois en réalité où il correspondait avec moi, il était en train, lui, de mettre fin à une vraie relation qu'il avait. Ah oui, d'accord. Donc déjà, ça m'a complètement meurtri, parce que pour moi, il était dans la même situation que moi, il était seul, il était sincère, et voilà, quoi. Moi, j'avais imaginé que c'était tout simple, quoi. Encore arriver au prince charmant à 53 ans, quoi. Prince charmant, je sais pas, parce que cette histoire de prince charmant, elle entraîne souvent bien des désillusions. Mais en tout cas, rencontrer un compagnon aimant, tendre, oui, pourquoi vous ne rencontreriez pas à 53 ans? Ouais, je suis un peu... Je me suis promis de plus jamais aller sur ces sites où finalement, on connaissait pas les gens, quoi. C'est compliqué en même temps sur ces sites parce que c'est... Enfin, en même temps, c'est vrai que c'est pas si simple de se rencontrer, et donc il y a cette possibilité, ça ouvre une ouverture sur plein de gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans la vie, parce que passé un certain âge, quand on est plus jeune, les jeunes ont souvent une vie sociale très très riche, sortent beaucoup. Bon, passé un certain âge, c'est vrai qu'il y a des habitudes de vie en dehors du travail, et ça c'est plus difficile de se créer un réseau. Donc ça fait une ouverture extraordinaire, mais en même temps il y a souvent c'est difficile après de il y a de tout quoi sur ces sites. Il faut pas avoir trop d'espoir. Mais c'est-à-dire qu'il faut être, il faudrait être vraiment, si, parce que sinon, si on n'a pas du tout d'espoir, on n'y va pas. Alors pour le coup, donc il faut quand même avoir, si on y va, c'est qu'on cherche quelqu'un. Oui. Mais il faut être, comment dire, rester vigilant. Oui. Vigilante, et donc pas s'emballer trop vite, donc rencontrer, je pense, assez vite, cerner vite les attentes, mettre selon le profil aussi que l'on veut, et éliminer un peu rapidement avant de les rencontres, parce que sinon aussi vous pourriez passer votre vie à rencontrer, perdre du temps à rencontrer. Il y a pas mal de prédateurs, entre guillemets, enfin des gens qui viennent là, ou des prédatrices, qui viennent là que pour consommer des aventures, des choses comme ça. Après, tout dépend ce que l'on veut. Il y a réellement des personnes comme vous, Chantal, comme vous, Philippe, qui recherchent sincèrement une véritable relation. Voilà. Il y en a, c'est certain. Après, j'en connais dans mon entourage, mais il y a aussi des personnes qui après sont un peu
un peu une addiction au site. Comme ah oui, alors il y a quelqu'un qui me dit, oui, il y a Phil qui me dit justement, non, il y a quelqu'un qui me dit attention, ça peut devenir une addiction. Il y a le subversif qui me dit le net, c'est un supermarché cynique qui fonctionne à plein sur la loi du marché, le libéralisme sauvage, qui joue sur la concurrence sans complexe. Le tout est de ne pas trop boursicoter. Ça, c'est juste. De toute façon, c'est clair. Hein. Il y a une demande et il y a une offre derrière. Et c'est vrai que c'est assez proche du libéralisme, assez sauvage. Et à côté de ça, il y a des personnes comme vous et nombreuses qui ont une réelle attente. Donc, on doit... Il y a certainement, j'aimerais bien, des personnes qui se sont rencontrées sur le net qui ont vécu, qui vivent certainement actuellement une histoire, une véritable relation, elles auraient pu la vivre si elles s'étaient rencontrées dans la vie. Bon. Après 39-21, ça... hein, si c'est le cas. Je trouve que ça banalise un peu. Pourquoi ? Parce que moi, cet homme me disait lui-même, tu sais, quand on a commencé sur ces sites, on se dit que si ça va pas avec une, il y en a toujours une autre. Oui, c'est vrai, ça. C'est cynique, je trouve. C'est d'un cynisme terrible. Mais est-ce qu'il... j'ai eu beaucoup de désillusions parce que j'avais... Mais après, c'est moi. Est-ce que cet homme ne se serait pas comporté comme ça? Est-ce que ce cynisme, il n'a pas de toute façon en lui? Si, parce qu'il est revenu chercher une ancienne, puis moi, puis... Donc, voilà, quoi. C'est... Philippe, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire, c'est le sentiment que j'ai actuellement, moi. Je fais quoi, à la limite, j'ai cette tentation de rester sur le site. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, en fin de compte, pour mon petit orgueil, je relance. J'essaie de faire des nouvelles rencontres sur le site. Oui. Voilà quoi. Je crois que Chantal parlait de supermarché. Ah, moi, c'était un de vos. Le subversif, oui. Qui a envoyé un mail. Il y a un site, clairement. Le logo, l'habillage graphique, c'est le supermarché des femmes. Bon, c'est amusant, mais c'est des caddies, quoi. C'est ça, ça s'appelle comme ça? Non. Mais il y a des femmes dans des caddies. Le graphisme, ce sont des petits logos de femmes qui ont des caddies et qui mettent des petites figurines d'hommes dedans, quoi. Ah oui, d'accord, c'est l'inverse, mais c'est tout aussi, c'est très révélateur, hein. C'est ça, on fait son marché. Et on voit bien, j'ai entendu, souvent des, auditeurs ou femmes me dire leur déception, enfin leur plus que ça, même dire quand ça n'avait pas marché suite à une rencontre et parfois le soir même ils revoyaient cette personne tac de nouveau sur le site et hop en train de et donc ça montre bien que voilà le côté interchangeable ça c'est assez terrible, c'est vrai au fond de se dire tiens au fond on peut être interchangeable alors que dans une véritable relation on n'est pas le côté une de perdue ou un de perdu de 10 de retrouvée. Il n'y a rien de plus idiot que cette formule. Parce que c'est pas vrai. On n'est pas interchangeable. On ne remplace pas quelqu'un comme ça. Pardon. En même temps, j'entends Philippe qui dit je reste sur le site parce que. Mais en même temps, en restant sur un site où il y a une personne sur qui on a un petit peu fantasmé, c'est se faire souffrir parce qu'on a devant les yeux le témoignage qu'elle cherche aussi encore. Je n'ai pas dit que j'allais rester, mais il y avait cette tentation sur l'instant. Et puis après, en fin de compte, réflexion faite, et avec ce que vous êtes en train de dire, Chantal, la raison, c'est de se déconnecter, bien sûr. Disons qu'on a l'impression de perdre la bataille, mais finalement, il ne faut pas se faire souffrir, quoi, pour des personnes qui... Mais bon, vous le dites maintenant, moi je le dis au bout de 3 ans, mais je regrette franchement de m'être laissé détruire comme ça. On va peut-être avoir... on va accueillir certainement peut-être Catherine dans quelques temps. Je vais vous lire au 39-21. Il y a le Belge qui nous envoie un petit SMS. Enfin, je dis le Belge, je me permets de dire ça parce que c'est il signe comme ça. Hein, qui dit, il y a beaucoup de personnes sur la toile qui ne cherchent que le contact virtuel.
Et quand ils sentent que ça va trop loin, ils abandonnent le contact. J'en parlais tout à l'heure. David me dit, ça fait 4 mois que je dialogue avec une personne par Internet. Je l'ai déjà vue en webcam. Je suis amoureux. Je dois la rencontrer. C'est l'angoisse. Il ajoute, je cherchais une relation stable. Je suis devenue addict. Alors qu'elle habite de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est un peu embêtant, David. Mais bon. Hilary me dit, après tout, même dans les rencontres de la vraie vie, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. C'est certain. C'est certain, hein, dans un premier temps, on fait connaissance. C'est pour ça que, autant quand on sent qu'il y a un contact, un profil qui vous plaît, autant rencontrer cette personne assez rapidement plutôt que de fantasmer pendant des semaines, voire des mois. Et puis, hormis si on est de l'autre côté de l'Atlantique comme David, hein, et puis se rendre compte que finalement c'est pas ça. Donc autant concrétiser le plus vite possible. Alors il y a quelqu'un qui dit, avec Internet, il faut beaucoup de perspicacité, de discernement. Et puis, un témoignage positif, il y a une personne qui me dit, j'ai rencontré mon conjoint il y a 8 ans et on est toujours ensemble et pacsés. Isa dit, par mon expérience, les hommes vont très vite et si vous ne répondez pas assez vite à leur avance, ils passent à autre chose sans prendre le temps de vous connaître. Et puis Nico des Ardennes dit, je pense que ces rencontres virtuelles doivent rester ludiques et surtout il ne faut pas trop s'investir. EBE me dit, je confirme que sur le net on peut vivre de vraies relations amoureuses, il suffit simplement de faire la part des choses, vive Internet. Mais appelez-nous au 3921 pour aussi dire, au fond, parce qu'on entend souvent, comme c'est le cas, hein, c'est des histoires qui n'ont pas marché. Donc moi, j'aimerais bien vous entendre dire peut-être une histoire ou une rencontre qui s'est faite par Internet. J'ai l'impression que parfois, on n'ose pas le dire quand on a rencontré quelqu'un par Internet aujourd'hui. C'est un peu tabou. C'est un peu comme avant les agences matrimoniales. On n'ose pas dire qu'on a rencontré peut-être son conjoint ou sa compagne par Internet. Ouais. Et c'est vrai, hein, j'ai l'impression que les gens n'osent pas dire qu'ils sont connus par Internet, alors qu'après tout, pourquoi pas? C'est un moyen comme un autre. Est-ce que Marie-Françoise est avec nous? Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-Françoise. Eh bien moi, mon témoignage, c'est que j'ai rencontré mon ami, ça va faire même 4 ans et demi, par un site de rencontre. Oui. Nous sommes vus au bout de 15 jours après avoir eu des échanges et puis j'ai pas été déçue. Nous sommes encore ensemble. Voilà. Ah bah écoutez, c'est très positif ça. Et alors comment ça s'est fait? Vous vous êtes rencontrés au bout de 15 jours, vous me dites, hein? Oui. C'est ça, donc très rapidement, après, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans le, vous, donc, puisque c'est vous que j'ai en ligne, dans son profil, qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi tous ceux qui étaient sur le site? Ah, nous avions beaucoup de choses en commun. Mm-hmm. Une chose qui m'a attirée, c'est parce qu'il était veuf. Il était veuf, c'est curieux. C'est un taiseux. D'accord. Oui. Et puis après, j'ai vu sa photo, donc j'ai craqué. Ah, quand même, oui. Vous avez eu un coup de cœur par rapport donc à la photo. Mais le fait que ce soit un taiseux, un homme qui parle peu, ça vous a touché? Il soit veuf. Il était veuf. Qu'il était veuf? Oui. J'ai compris taiseux, moi. Non, veuf. Ah oui, alors ça n'a rien à voir. Bon, pardonnez-moi, j'ai un problème de son. J'avais compris que c'était un taiseux, d'accord. Bon, comme on dit, vous savez, quand. Donc, qu'il soit veuf, bon, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est. Vous étiez vous-même dans cette situation-là? Non, j'étais séparée. D'accord. Et alors, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez eu cette affinité aussi Le coup de foudre, pour moi, c'était le coup de foudre réciproque. Immédiatement? Oui. Je n'ai pas été déçue. Tout ce qu'il m'avait écrit, ça correspondait à lui, sa vie. Il m'avait parlé de ses enfants. Il n'y a pas eu de problème. C'était très bien. Et donc, 4 ans plus tard, vous êtes toujours ensemble et tout va bien? Et tout va bien. Vous en avez parlé, justement, à votre entourage, de la façon dont vous vous êtes rencontrés? Oui. Oui. Sans problème.
Oui. C'est ça, parce que juste avant de vous avoir en ligne, Marie-Françoise, je disais que moi j'avais l'impression que c'était encore un peu tabou de dire qu'on s'était rencontrés via Internet. Ah oui, mais les réactions sont surprenantes. Ah oui? C'est-à-dire? On dit qu'on a rencontré une personne sur Internet, « Ah, oh, méfie-toi, ça va pas durer. Enfin, » Oui, c'est encore tabou. Encore aujourd'hui, on vous dit ça? Non, quand même pas, 4 ans après. Non, au début. Au début, on vous mettait en garde. Voilà. Oui. Et oui, c'est ça. Hein. Il y a quand même comme si ces relations étaient finalement moins stables, moins viables que d'autres. Et pourtant, moi, je me dis dans ma tête, la personne qu'on rencontre dans la rue, ben, c'est la même qui se trouve derrière son ordinateur. Hein. Évidemment. C'est la même. Évidemment. Oui. Et forcément. On court autant de risques. Hein. Évidemment. Oui. Il y a... Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, peut-être, alors c'est difficile hein, de conseiller les autres, mais peut-être justement dire à toutes celles et ceux qui, comme Philippe et Chantal, et il y en a tellement d'autres, hein, qui sont en quête d'une véritable relation affective, amoureuse, par rapport à tout ce champ du possible qu'offre Internet. Pour s'y retrouver un petit peu, pour faire le mot n'est pas joli, mais pour faire le tri. Faire le tri. Moi, en ce qui me concerne, c'était surtout la rencontre, assez rapidement, parce que je pense que quand on a la personne en face, il ne peut pas mentir, il y a des choses... Moi, je pense qu'il faut se rencontrer assez rapidement. Si la personne ne veut pas à la rencontre, il y a quelque chose de douteux. En ce qui me concerne, hein, s'il avait traîné, dire attendre un mois, deux mois, non. Oui, donc vous conseillez aussi de ne pas perdre trop de temps dans l'échange et tout ça, mais de se rencontrer le plus rapidement possible. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Une question peut-être, Philippe, Chantal ou... Oui, c'est... Chantal je pense effectivement que... J'ai oublié le prénom là, de la dame. Marie-Françoise. Marie-Françoise, oui, dit qu'il faut rencontrer rapidement. Vous l'avez dit aussi, Caroline. Moi, je pense effectivement que si j'avais croisé cette personne dans la rue ou si elle avait fait partie de mes copains, jamais je n'aurais pu imaginer une histoire d'amour avec une personne comme ça. Pas parce qu'elle tout simplement parce qu'elle ne me correspond pas. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes opinions sur la vie. Enfin, non, voilà. Donc, le fait d'avoir imaginé pendant 6 mois... qu'elle pouvait me correspondre, qui pouvait me correspondre, c'est ça qui m'a complètement induit en erreur. Donc effectivement, je l'aurais rencontré tout de suite, j'aurais coupé court tout de suite, quoi, je pense. Enfin, pour moi, c'est simplement... effectivement, j'entends bien ce que dit Marie-Françoise, c'est exactement ça, c'est une question de temps, c'est-à-dire au bout d'un moment, ben, on devait basculer, ça s'est pas fait. Oui. Moi je travaille sur l'ordinateur pendant toute la journée, voilà, l'ordinateur le soir a tapé via un chat, ça a commencé à peser, en dehors du fait que j'avais hâte d'entendre sa voix, de la voir et tout ça. Et puis il m'est arrivé dans des périodes et à comment dire au début, bah de d'être addict au site un peu quoi. Voilà quoi, d'être un peu dépendant de voilà, c'est un peu ça quoi. Alors justement, il y a David qui dit les rencontres internet peuvent donner l'impression d'une incapacité à la séduction classique, à la sociabilité et créer une honte envers les autres. C'est curieux parce que oui, qui me dit oui? C'est Chantal. Je pense moi-même j'avais pas dit. Comme si j'avais honte, effectivement. Oui, comme si finalement on pouvait penser de vous que vous étiez obligé, oui, de passer par Internet pour aller au-devant des autres pour séduire. À part à mes enfants qui ont un peu plus de 20 ans et qui eux m'avaient poussé. Eux me disaient, mais si maman fait ça, inscris-toi sur un site, tu verras, c'est sympa, voilà. Oui, que sinon, au fond, les hommes ne vous trouvaient pas assez séduisante dans la rue, peut-être pour vous aborder, ou que vous-même... Et puis parce que la vie est ainsi faite, qu'on a un travail, qu'on a des... Et puis que moi, j'ai passé l'âge d'aller en boîte de nuit, enfin, moi, j'ai pas envie de chercher ce genre de relation, quoi. Enfin, ce genre d'endroit. Et après, personne va venir frapper à votre porte pour dire, coucou, c'est moi. Donc, après, qu'est-ce qui reste? Effectivement, c'est difficile autour de soi,
des couples, on a donc... Ouais. C'est difficile parfois. Alors, je disais, on avait des témoignages plutôt négatifs jusqu'au témoignage de Marie-Françoise. Des témoignages positifs qui arrivent par SMS au 72121 code nuit. Roland dit « J'ai rencontré ma compagne actuelle sur le net. Nous sommes fous amoureux et comptons même nous marier au mois d'août 2011. » Quelqu'un me dit « J'ai rencontré une fille sur Internet. » Au départ, je pensais que c'était un coup d'une soirée. Bon, c'est écrit comme ça. Et ça fait 3 ans d'amour maintenant. Oxalis, elle dit « Ces sites ne sont pas faits pour les cœurs tendres. » Oui. Pourtant, oui, mais bon, comme quoi on entend Marie-Françoise, on entend d'autres qui ont trouvé une histoire d'amour. Et puis, il y a Chris qui dit « On peut faire de belles rencontres sur le net, mais il faut savoir faire le tri et se rencontrer assez vite, on revient toujours à ça. » Morgane dit « J'ai rencontré mon ami sur Internet, c'était une première tentative et ça a été la bonne, ça devait être mon genre de chance. » Et puis, on va accueillir maintenant Camille et on va conclure avec vous, Camille. Bonsoir. Ouh, dis donc, quelle chance. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Moi, je vous écoute assez souvent quand je suis en camion. Oui. Et là, je ne pouvais pas ne pas répondre à tous ces appels de détresse, puisque je ne suis pas une servante d'ordinateur, je ne connaissais vraiment rien. Oui. Et j'ai même été contre les rencontres sur Internet pour dire à quel point. Et finalement, j'ai rencontré mon mari sur Internet. Oui. Finalement, donc vous êtes acheté un ordinateur et qu'est-ce qui vous a motivé un jour? Je n'avais pas d'ordinateur à l'époque. Ça s'est passé chez la marraine de ma fille. Je suis même descendue au bout d'une demi-heure en lui disant je comprends pas. Il y a personne qui me répond. Viens m'aider. Parce que je savais pas du tout comment ça fonctionnait ces appareils. Oui. Et c'est elle qui a finalement m'a expliqué et m'a dit bah tiens regarde celui-là il m'a l'air bien. Et finalement oui il a été bien parce qu'aujourd'hui on est mariés, on a acheté une maison et il a adopté ma fille. Oui. Oui c'est une belle histoire ça oui. Et oui, mais alors vous n'êtes pas tombé tout de suite sur comme ça le premier sur le site. J'imagine qu'au départ il y a eu des déconvenues. Bien sûr, c'est important d'en parler aussi peut-être. C'est-à-dire que c'est ça. Certainement. Dire... Oui. Certainement, mais bon, l'ordinateur est quand même comparable à la vie. Oui. Vous rencontrez des milliers de personnes. Hein, et oui. Pour rencontrer un amour. Ah donc, oui, ça c'est certain. Oui, oui. Oui, donc ce n'est pas bien différent de ce qu'on rencontre dans la vie, sauf que à traîner en longueur. La différence entre l'ordinateur et la vie réelle, c'est que l'ordinateur vous donne d'abord l'esprit et après le visuel. Que autrement, vous pouvez juger directement ou avoir un avis sur la personne en face, quoi. Voilà. Mais je pense que... Et pour vous dire, on est resté 10 heures à discuter, à échanger sur l'ordinateur, en faisant attention, parce que je faisais attention de ne pas parler du sexe de mon enfant... Parce que je voulais être neutre, on ne sait pas qui c'est qu'on trouve sur l'ordinateur. On ne s'est pas rendu compte que les 10 heures sont passées, quoi. Alors que je ne suis vraiment pas une fan d'ordinateur du tout, quoi. Et c'est comme ça que... Et puis il m'avait dit, je te rappellerai le lendemain. Je dois avouer que je... Bon, vous savez, hein, j'ai un métier masculin. Mmh. Et je connais à peu près les hommes, un peu, quand même, tout petit peu. Donc je n'y croyais pas. Et il m'a appelé, et donc c'est à ça que je me suis dit, c'est quelqu'un de bien quand même, parce qu'il a tenu parole. Mmh. Et il est venu 3 semaines après, j'étais embêtée pour mon travail là, mercredi. Il est venu 1 semaine avant, il m'avait dit, si tu veux, bah, je peux venir garder ton enfant. Et là je me suis dit, bah, c'est vraiment quelqu'un de bien, parce qu'il est capable d'échanger son programme. Oui. Pour venir garder l'enfant, quoi, ce qui est quand même extraordinaire, alors qu'on ne se connaissait pas, mis à part, on s'était parlé au téléphone, bien sûr, des heures et des heures. Télécom a gagné une fortune avec nous, hein, quand même. Hein. Mais voilà, donc, il avait un prénom qui me faisait dire qu'on ne peut pas être complètement nul avec ça. Hein. Je veux dire, bon, bref, des bêtises, quoi. Et pourtant, dites-moi Camille, alors vous étiez, certains le peuvent bien, oui, dans mon entourage, c'est compliqué, professionnel, il n'y a pas tellement le choix et tout. Vous, comme vous dites, vous êtes dans un métier où il y a une prédominance d'hommes. Et alors là, non, ça ne vous... Oui, et non, là, malgré tout, vous ne... Ben là aussi, c'est pareil, on fait le tri, quoi, je veux dire. Vous y êtes tri.
Oui, parce que des hommes mariés, il y en a beaucoup. Et des hommes attention à ce aussi. Que vous allez dire, hein, parce qu'on a beaucoup de routiers qui nous écoutent. Je les salue. Donc. Oui, moi aussi. Je risque d'être reconnue d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Oui. Mais bon, ça fait quand même 27 ans que je suis dans le transport. Oui. Et on en voit de tout, quoi. Oui. Et donc, ça m'intéressait pas. Je veux dire, je ne voulais plus. Là, je suis quand même pas très loin des 50 ans. Et je ne voulais plus, j'avais un enfant à élever, donc faire des va-et-vient, je voulais quelque chose de sérieux, quoi, quelque chose de vraiment qui tienne la route, parce que des va-et-vient, des hommes qui viennent, c'est pas bon pour un équilibre psychique d'un enfant. Et bon, ben, j'ai fini par trouver quelqu'un, c'est lui qui est venu, quoi, je veux dire, c'est lui qui m'a appelé, après, c'est lui qui, il a passé des heures au téléphone avec moi, avec beaucoup de patience, parce qu'il est plutôt introverti, et moi je suis extraverti. Il est très discret. Moi, je fais un boucan pas possible. Je suis née dans le sud, comme les mamas italiennes là-bas. Voilà. Donc, il a eu beaucoup de patience, hein, parce que j'ai eu beaucoup de crises. Avant ça, j'ai beaucoup souffert en amour, énormément. Et donc, il a dû passer des tests, certainement, sans que je m'en rende compte. Quoi, mais, ouais, il m'appelait cruel, là, parfois. Bon, en tout cas. Bon, en tout cas, finalement, vous avez bien fait d'acheter un ordinateur, hein, aujourd'hui. Ben là, maintenant, j'en ai un, oui. Oui, c'est ça. Et vous n'allez plus sur les sites de rencontres, ah évidemment. Ah non, là, on hein. y va pour acheter des choses et puis, dialoguer, bref, n'importe quoi. Surtout, regarder pour la maison, ça a servi, par exemple. On peut regarder pour les prêts immobiliers, pour plein de choses, quoi. C'est quand même une bibliothèque géante et ma fille, je l'éduque en lui disant de faire attention. Parce qu'on peut se faire prendre au piège aussi quand on est grand, mais que c'est quand même une ouverture extraordinaire d'apprentissage, quoi. Mais merci beaucoup, Camille. Vous êtes sur la route là ce soir ? Non, je viens juste de rentrer. Je viens juste de rentrer de Paris, mais je repars demain à Lyon. Bon, alors reposez-vous bien. Bonne nuit à vous. En tout cas, bon courage pour tous vos auditeurs. Eh ben, merci pour ce témoignage. Merci, Camille. Au plaisir. Et alors, je disais qu'on allait conclure avec vous, mais il y a Catherine, finalement. Vous voyez, il y a beaucoup, hein, Philippe. Ah, vous voyez, comme quoi, Internet, ça fait des appels. Ah, ben oui, bien sûr. Ça suscite beaucoup de témoignages. Encore, justement, des SMS qui arrivent au 72121 code de nuit. Quelqu'un me dit, j'ai rencontré un homme il y a 3 ans sur un site de rencontre et depuis 3 ans, nous construisions patiemment une belle et riche relation. Il y a également... alors Hubert lui dit, moi c'est mon meilleur ami qui avait rencontré une femme sur le net. Ils se sont séparés. Quelque temps après, nous nous sommes rapprochés. Nous attendons aujourd'hui un bébé. Vous voyez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le subversif, lui, me taquine. Je disais, c'est un peu tabou encore pour certains de dire qu'ils se sont rencontrés sur Internet. Il me dit, certes, Caroline, on rechigne encore un peu parfois à avouer chez nos amis que notre délicieuse compagne fut rencontrée au sauna, dans une boîte échangiste ou sur le net. Avec le temps, peut-être, cela évoluera. Bon. De toute façon, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, du supermarché ou par accident, la chose la plus importante, c'est d'essayer de faire ça en longueur, à durer dans la longueur. On se retrouve tous devant le même dilemme. Ah ça, là c'est la durée hein, qui est la plus compliquée. On a réussi à se trouver et maintenant... Alors Internet concerne tous les âges puisque Monique me dit, ma meilleure amie a 67 ans, elle vit avec son amie qu'elle a rencontrée sur Internet depuis 4 ans. C'est bien, ah oui. Alors, on a... Qu'est-ce que j'ai... Oui, on a Catherine qui est avec nous. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Allez, cette fois-ci on va conclure avec vous. Hein. Bonsoir Catherine. Oui, je vais être très très rapide. Moi, je suis seule aussi, mais moi, je suis pas très rencontre Internet, mais il y a une très bonne façon de rencontrer des gens. C'est un site gratuit, ça s'appelle On va sortir. On va sortir.com, hein, exactement. On va sortir.com, et après, vous mettez la ligne. On en a déjà, il a souvent été évoqué par des auditeurs et des auditrices dans cette émission. Hein. Voilà. Il a beaucoup de succès, ce site. Oui, parce que c'est génial. C'est pas un site de rencontre, à proprement parler, de rencontre amoureuse. C'est vraiment pour les gens qui sont seuls dans une ville. Je trouve que les deux peuvent aller ensemble. Ah, évidemment. Évidemment. Parce que, à la limite, je pense que je préfère aller au cinéma avec des gens que je connais pas et prendre un café après. Et au moins, il y a un lien qui se crée. Par rapport à tout ce que les gens disaient sur Internet et tout, moi, je peux pas, quoi.
Et alors vous, vous avez découvert comment vous êtes dans cette ville, ou qu'est-ce que vous faites? Vous faites des sorties, c'est ça, hein? Je crois qu'ils organisent des sorties culturelles, sportives. Tout. Cinéma, découverte d'un petit resto, et avec des gens totalement différents. Donc de tous les niveaux d'âge, niveaux sociaux, et ben, c'est pas un problème. Mais c'est le contact et la communication. Et alors vous-même, Catherine, vous avez fait des... me permet d'être un peu indiscrète, puisque au fond c'est un peu le thème là, on était parti sur internet et les rencontres amoureuses, vous nous parlez de ce site, est-ce que ça vous a permis de rencontrer, d'avoir des rencontres amoureuses? Amoureuse, non, mais des liens qui se créent. Oui, mais en même temps, en faisant des rencontres, déjà ça ouvre, ça permet d'élargir son réseau social, et peut-être après amical, de rencontrer... Après peut-être, je ne sais pas. Mais de se faire des nouveaux amis, peut-être, on peut, en rencontrant des gens sympathisés, se faire des nouveaux amis, et du coup, ça peut être l'occasion de rencontrer donc de nouvelles personnes, et donc, qui sait, dans ces nouvelles personnes, de croiser peut-être un nouvel amour, hein. Ben, tout à fait. C'est parce que finalement la difficulté après quand on est adulte, c'est souvent qu'on a toujours on croise toujours les mêmes personnes. Non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Philippe, Chantal, ceux qui sont avec nous, Marie-Françoise, c'est qu'on a toujours un peu les mêmes gens autour de nous. Oui, mais c'est compatible avec un réseau social, enfin un réseau social avec un entourage. Je veux dire, ce qui peut être problématique pour les sites de rencontre, tout ça, c'est que un petit moment on passe un peu trop de temps et on oublie un peu, les sollicitations qu'on peut avoir pour sortir, pour c'est simplement ça, quoi. C'est... Et si je me permets d'intervenir, je dis que quand on décide de faire une sortie ensemble, on s'habille, on je sais pas, il y a une séduction entre guillemets pour les hommes aussi pour les femmes, où on décide de faire la fête, mais il y a un lien, il y a quelque part, on est allé voir les hommes et les dieux au cinéma, et après on discute, on prend un café, chacun rentre chez soi, mais on s'est vu. Vous voyez, c'est du concret. Oui. Donc, parce que moi, je suis sur Internet depuis pas très longtemps, mais je me vois pas tchatcher sur Internet avec quelqu'un que je n'ai pas vu. Alors que là, c'est des gens, sur la liste des sorties, par exemple, vous avez, je suis toute seule, j'ai envie de découvrir un tel marché, qu'est-ce qui veut venir avec moi? Bon, et puis, voilà. Non, mais c'est ça, il y a des moments de partage, d'échange, en fonction des goûts de chacun. Il y a même des restos qui sont proposés, adaptés au budget de chacun. Tout à fait, ça peut aller de la pizza au truc beaucoup plus classieux. C'est vraiment... je sais, parce qu'il y a déjà plusieurs auditeurs qui nous ont parlé de ce site. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment bien fichu, parce que ça crée vraiment du lien. Oui. Du lien social, et il y a vraiment tous les âges, et puis des tas, c'est pas soit sportif, soit culturel, soit ci, non, soit ça. C'est très ouvert, on peut tout faire, et ça permet, certains disent qu'ils se sont vraiment fait des amis, et après, pourquoi pas, tout est ouvert. L'important, c'est de sortir un peu de son cercle. Ce que je pense par rapport à ce que les intervenants avant ont dit, Internet vous bloque, vous pouvez chatter, on peut écrire des lettres aussi, on peut, mais il n'y a pas ce contact-là. Alors, donc après, on rencontre des gens qui nous plaisent plus ou moins, comme on plaît plus ou moins aux autres, d'accord? Mais il y a ce lien, on va partager à un moment. Je comprends. Écoutez, merci Catherine, de dire qu'il y a aussi d'autres façons de se rencontrer. Ah, il y a les irréductibles, il y a qui ne veulent pas entendre parler d'Internet. Il y a Osiris, elle persiste et signe, elle dit oui, mais intrinsèquement, la toile n'est-elle pas le support de l'araignée? Alors n'en soyons pas la proie. Elle plaisante en disant ça, mais bon. Et puis il y a Sergio qui dit, non, moi-même d'en parler, ça me saoule, Internet. Vive les parchemins et autres ménestrels. Mais Sergio, vous êtes trompé d'époque, mais en même temps,
Je vous comprends, Sergio. Allez, pour conclure, quelques mails, justement, qui nous arrivent sur europe1.fr. Colette dit, j'ai rencontré mon ami il y a 6 ans sur Internet. Nous avons discuté pendant près de 3 heures le soir même pour bien nous décrire, dire ce que nous attendions. Nous nous sommes rencontrés 4 jours après. Nous n'avions pas mis nos photos. Je lui ai dit que selon son physique, je lui dirais ce que je pense. Parce que je ne me serais pas sentie très à l'aise si son physique ne correspondait pas au mien. Eh bien, voilà 6 ans que notre histoire est formidable, dit Colette. Lila Bleu dit, j'ai rencontré mon mari, non pas sur le net, ça n'existait pas à l'époque, mais par téléphone. Nous avons discuté des mois et des mois avant de nous rencontrer. Nous sommes mariés depuis 42 ans et vivons aux USA. Marie dit, moi j'ai rencontré mon ami sur un site de rencontre, ça dure depuis 4 ans et demi. Nous avions chatté pendant 3 mois. Ça a été le coup de foudre et 4 mois après, nous vivions ensemble. Donc le bonheur peut aussi avoir lieu sur des sites. Et puis Stéphanie me dit, je suis en train d'écouter votre émission. J'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre il y a déjà 6 ans. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Notre rencontre a été une évidence. Nous nous sommes désinscrits des sites 1 semaine après notre rencontre. Ben voilà, Philippe et Chantal, hein, ça laisse quand même... Ça laisse de l'espoir, tout ça. Ah oui, mais c'est pas... je sais pas qui avait dit ça, c'était... Je me sens absolument pas désespéré ou quoi que ce soit. C'est une inscription par hasard pour rencontrer. Puis après, bon, c'est plus dans une relation sur une personne. Ce qui est très impressionnant, et je conclurai très vite là-dessus, c'est le nombre d'inscrits. Moi, je suis sur un site régional... où je suis encore pour quelques heures peut-être, il y a un nombre d'inscrits très très impressionnant. Ouais. Oui. Ouais. Alors, ça peut donner parfois des situations un peu rocambolesques, puisque Argan me dit, j'ai chatté avec un homme sur le net, sans savoir que l'on se connaissait, son beau-frère était un ami. ça doit pas être toujours très simple. Voilà. Et puis, pardon, Osiris, ben oui, enfin, il faut que je révise mes connaissances. Je me dis, mais enfin, Caroline, Osiris, c'est un homme. Je m'y perds, moi, oui, mais, oui, c'est l'Antiquité, c'est égyptien, Osiris, c'est, qu'est-ce que c'est le dieu de quoi, Osiris? Je ne sais plus. Vous avez une idée, Osiris? Non. Oh, va me répondre dès que je lance, vous allez voir. Ça, je suis sûre que je vais avoir la réponse d'ici peu. C'est pas une colle, hein, mais je me souviens plus. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, je vais peut-être choquer, mais dans la rencontre, les gestes, j'ai pas la suite du message, mais ça compte aussi la sensualité. Ben justement, c'est pour ça qu'il faut se rencontrer assez vite. Bon, mais Philippe, peut-être à la prochaine rencontre, alors. Oui, hein, oui. Je vous en fais pas tous appeler parce que je vous écoute depuis un certain temps. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité. Je vous en prie. Merci. Et bonne chance à vous aussi, Chantal. Merci à Marie-Françoise, à Camille et également à Catherine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Direct sur Europe 1 jusqu'à 1h. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté en appelant le 39 21, en nous écrivant sur le site europe1.fr ou en nous envoyant vos SMS au 7 21 21, code nuit. Je sais que je peux compter sur vous. Vous avez réponse à tout. Osiris, Osiris, c'est le symbole de l'éternité dans la société égyptienne ancienne, le dieu des morts et de la résurrection. Merci à Élise, à la Luciole, à Canel qui travaille au Louvre, à l'écureuil, à Christophe.
Christophe, à David, à tous ceux aussi d'entre vous qui ont appelé le standard d'Europe 1, 39-21. Ah, moi, j'ai pas besoin d'aller sur Wikipédia, hein. Je lance un message et vous me répondez. Donc, il a épousé, je sais tout, même sa sœur Isis. Voilà, je vous dis pourquoi aller consulter Internet. Je vous appelle et j'ai les réponses. C'est encore plus facile. Allez, on va accueillir tout de suite Nadine. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nadine. Je vous appelle parce que je vis actuellement une situation difficile et j'aimerais que vous m'aidiez à y voir plus clair. Oui. J'ai un petit peu le trac. Non, ça va bien se passer. Oui, alors j'ai 56 ans et j'ai rencontré mon deuxième mari, puisque j'étais divorcée lui également il y a 10 ans. On s'est mariés en 2004. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais grand-mère d'une petite fille. Ah, une jeune grand-mère alors. Voilà, une jeune grand-mère. Oui. J'ai été une jeune maman et une jeune grand-mère. Oui. Et depuis, deux autres petits-enfants sont nés de mon côté et deux de son côté. Donc, au début de notre rencontre, il y a 10 ans, je vivais seule et je m'occupais donc de ma petite fille tous les mercredis. Mm-hmm. Et tout de suite, quelques jours après notre rencontre, il m'a prévenu qu'il faudrait qu'on se garde un petit peu de temps pour nous, que je la prenne pas systématiquement tous les mercredis, bon, ce que j'ai fait. Et puis, les années ont passé. Je continuais à m'occuper de mes petits-enfants, pas tous les mercredis, mais un mercredi sur deux ou sur trois, jamais la semaine, jamais le week-end. Et il m'a mis de plus en plus la pression, il me faisait des reproches, il n'acceptait pas. Si bien que je me suis éloignée un petit peu de lui, et mon désir pour lui a baissé, j'étais déçue. Il me faisait culpabiliser en plus parce qu'il me disait « je te laisse prendre tes petits-enfants, tu devrais être épanouie ». Oui. Et en 2008, pendant un stage professionnel, il s'est pris d'une jeune femme de 20 ans plus jeune que lui. Bon, il me dit que c'est platonique, je veux bien le croire. Et donc ils ont communiqué d'abord par mail professionnel, puis mail personnel, par portable et ensuite le fixe, sans que je sois au courant. Et au bout de 5 mois... Un week-end, il me dit le week-end prochain, je ne serai pas là. Je m'en vais à 1000 km de là. Au départ, il ne m'avait pas dit que c'était pour rejoindre cette femme-là. Il m'avait dit que c'était pour que le groupe, justement, de stage se rencontrait. Et pendant tout ce temps-là, pendant la liaison avec cette jeune femme, il a laissé vraiment la situation entre nous se dégrader. Si bien que je lui avais demandé qu'on aille voir un médiateur conjugal, ce qu'on a fait, on a fait une séance et il n'a pas voulu continuer. Et donc il a demandé qu'on se sépare. Et il devait partir en vacances avec cette jeune femme. Et juste avant les vacances, je lui ai demandé quand même qu'on se redonne une chance. Il a accepté. Donc on a continué à l'automne, après les vacances. Et... ma fille, à ce moment-là, une de mes filles est partie pour faire une formation professionnelle pendant 6 semaines à 500 km de chez nous, de notre région. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis occupée donc de mes petites filles tous les mercredis pendant 6 semaines. Oui. Et il n'a absolument pas accepté ça. Il me le reproche encore aujourd'hui. Et début 2009, il a demandé le divorce et qu'on vende la maison. Il m'a dit qu'il avait besoin de se retrouver, que la situation là ne lui convenait pas. Donc on a pris chacun notre appartement. Et depuis un an et demi, donc on est chacun dans notre appartement, mais on a passé les vacances ensemble. Mais c'est vraiment qu'un cas. On n'arrête pas de faire des breaks, de reprendre, de refaire des breaks et ça ne va plus quoi. Il a des enfants, cet homme ? Il a 2 enfants. Il a des petits-enfants ? Et il a 2 petites filles, oui. Oui, et comment est-il vis-à-vis de ses enfants et petits-enfants ? Alors, justement, ses petites filles à lui, on ne les voyait jamais parce que sa fille et son gendre faisaient blocage, quoi. Ils ne voulaient jamais qu'elles viennent chez nous. Mmh. Et donc, on les voyait aux fêtes, aux anniversaires, Noël, oui. Aux occasions comme ça. Vous connaissez les raisons de ce blocage ?
Comment il a expliqué, votre mari? Apparemment, c'est le mari de sa fille qui faisait blocage, qui ne voulait absolument pas confier ses enfants à d'autres personnes qu'à leur mère. Mais depuis, la situation a évolué, parce que sa fille s'est séparée de son mari. Oui. Et donc, ces dernières grandes vacances, il a pris ses petites filles en vacances avec mes petits-enfants. Bon. Mais. Et comment est-il vis-à-vis de ses petites filles? Comment, quel grand-père est-il? Oh, il est assez moralisateur. Mm-hmm. Tiens-toi bien, merci, s'il te plaît. Oui, il n'est pas très tendre. Hein. Non. Je vais jamais le voir les prendre sur ses genoux. Oui, c'est ça. C'est pas un grand-père tendre, apparemment. Non. D'après ce qu'on semble dire. Oui. Oui, alors que bon, le grand-père est pas chargé de l'éducation. Enfin, les grands-parents sont pas chargés de l'éducation. Non, ce sont les parents qui assument cela. Justement, quand on a les enfants, à moins que pour des raisons, parfois parce que les parents ne peuvent pas assumer ponctuellement ou plus l'éducation, les grands-parents tiennent ce rôle-là. Bon, ça c'est autre chose. Mais quand les grands-parents ont, comme vous dites, à garder les enfants, enfin les petits-enfants, c'est plus, ils sont plus dans le plaisir. Hein. Oui. Mais lui, non, il n'a pas cette notion-là de plaisir. C'est même là, c'est strict, quoi. Hein, c'est assez strict. Bon, quand même, je dois dire que c'est au bord de la plage, oui, il avait quand même des moments de plaisir. Il allait se baigner avec elle. Encore heureux, oui. Oui. Je trouve très dur l'attitude qu'il a vis-à-vis de vous. Il me déstabilise complètement. Ah ben, je comprends. C'est très déstabilisant. Très très malheureuse parce que bon, moi je me voyais vieillir à ses côtés, quoi. Je lui ai déjà dit, mais je lui disais, j'ai assez d'amour pour tout le monde. Mais... c'est pas le même amour. Et oui, vous êtes, vous trouvez presque dans l'obligation de vous justifier auprès de cet homme, de dire que vous avez de l'amour pour lui et pour vos petits enfants. C'est fou, parce qu'il est dans une avidité d'amour. Voilà. Où c'est comme si, tout à fait. Parlons clairement, il est jaloux finalement. Il est jaloux. Il est jaloux, je pense. Oui, il m'a déjà dit même qu'il était jaloux du rapport que je pouvais avoir avec mes filles, parce que bon, c'est vrai que je m'entends très bien avec mes deux filles. Et il me l'a déjà dit, ça. Oui, mais je pense qu'on est vraiment dans la jalousie. Hein. Il veut un rapport d'exclusivité avec vous. Voilà. Mais que je ne peux pas lui donner. Moi, je serais trop malheureuse. Non, parce que ça va et ça vous rend déjà malheureuse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir que cet investissement affectif dans votre vie. Je suis malheureuse et je doute de moi. Je me dis, mais est-ce que j'exagère? Est-ce que je demande trop à voir mes petits-enfants? Et mes filles me disent, mais non, maman, pas du tout. Attendez, vous les voyez, si je comprends bien, une fois par semaine? Oui, à peu près. Mais oui, voilà. Mais c'est votre mari. Le reste du temps, vous êtes ensemble. Tout à fait, absolument. Il est à la retraite. Enfin, maintenant plus. Hein, depuis un an et demi, on a vendu la maison. Oui, j'ai bien compris. Mais auparavant, il était à la retraite, cet homme? Non, pas encore. Il n'est pas à la retraite? Non. Oui, mais enfin, vous vous retrouviez. Ça veut dire que toutes les soirs, il était là, après le travail et tous les week-ends. Bien sûr. Et puis, de toute façon, le mercredi, quand vous les gardiez, il n'était pas là. Ça dépend des mercredis. Quelquefois il était là, quelquefois il travaillait. Ah, les mercredis, comme de fait exprès, il ne travaillait pas. Oui, voilà. Ah oui, ça tombait pas bien. Non, mais ça, c'est sa profession hein, qui le veut. D'accord. Il ne prenait pas congé spécialement. Oui, d'accord. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je dis comme de fait exprès, je ne disais pas qu'il s'arrangeait pour ne pas travailler. Mmh. Mais il avait une profession qui faisait qu'il n'était pas là le mercredi, qu'il ne travaillait pas. Bon, écoutez, vous avez aussi besoin dans votre pour votre équilibre et puis pour enfin vous avez plusieurs, on a le droit à avoir plusieurs investissements affectifs. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une relation amoureuse qu'on ne doit plus avoir de relations amicales, qu'on ne doit plus avoir de relations avec ses enfants ou avec ses petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, mais quand je lui dis ça, il me dit on n'a pas la même vision de la vie. Ah ben non. Mais il a une vision où effectivement tout doit tourner autour de lui. Il se comporte comme un enfant avide, égocentrique. Oui. Lui, c'est lui l'enfant dans la situation. C'est tout à fait lui, oui. Je ne sais pas quelle histoire a eu cet homme, hein, mais comment lui, il a dû être très carencé, ou alors au contraire peut-être être habitué à ce que
Est-ce que être élevé par une mère où tout tournait autour de lui, je ne sais pas, hein, ça peut être les deux cas de figure peuvent donner parfois ce type de comportement. Il a un frère qui a 15 mois de plus que lui et qui prend beaucoup de place, quoi. Ah, d'accord. Oui. Et lui donc était on voit plutôt le profil enfant sage qui oui, 15 pas, mois quoi. De plus, c'est pas beaucoup, hein, donc il y a une rivalité très très forte. Très stricte également. Mère très stricte, d'accord. Oui, mais avec ce frère qui prenait beaucoup de place et où lui a eu du mal à exister par après, rapport à lui. Il a eu un frère et une sœur, plus jeunes, quoi. Alors bon, je suis malheureuse, j'ai quand même encore des sentiments pour lui. Oui, je comprends. Mais je ne peux pas vivre la vie qu'il me propose, quoi. Et il ne se remet pas en question. C'est ça qui est embêtant, parce que il aurait pourtant besoin de lui. Lui aurait besoin de parler, hein, de comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Et par rapport à vous, il y a certainement des choses qui se rejouent de la relation qu'il a eue, lui, avec sa mère. Et finalement, dans cette image que vous... Puisque, au fond, quand vous êtes dans cette position de mère à l'égard de vos filles, ou de grand-mère, mais qui est finalement dans une image maternelle, hein, quand vous êtes avec vos petites filles, ça lui est insupportable. Donc, au fond, ça le renvoie à cette image de mère, et donc lui, enfant, vis-à-vis de sa mère. Il y aurait des choses qu'il aurait besoin d'élaborer. Hein. Mais ça, il ne voudra pas en entendre parler, puisque... Ben c'est fort dommage, parce que... Il me dit qu'on n'a pas la même vision de la vie. Voilà. Oui, mais ça, c'est trop simpliste. Parce que vision de la vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Vision de la vie, c'est tellement vague. Parce que je suis tournée vers la famille, et lui, pas, ou beaucoup moins. Mais parce que c'est plus complexe que cela. C'est très. Il simplifie à l'extrême là pour ne pas voir en fait ses difficultés. C'est pas. C'est souvent. C'est-à-dire qu'il investit le couple et encore au fond de. De quelle façon, mais le couple où au fond il faudrait que vous soyez tout entière tournée vers lui. Oui, mais justement, alors là, ça fait un an que sexuellement je ne peux plus me donner à lui, je n'y arrive plus. Plus du tout. Parce que vous lui en voulez. Pardon ? Vous lui en voulez. Ah oui, j'ai énormément de rancœur. Donc vous lui faites payer. Ce qui n'est pas sans risque, évidemment, vous en êtes consciente. Mais oui, tout à fait. Parce que ce faisant, bon, mais évidemment... Mais là, on a parlé de divorce, mais aucun des deux ne fait réellement la démarche, quoi. Mais parce que je crois qu'au fond, il y a quand même de l'amour entre vous et que vous n'arrivez pas à vous quitter. D'ailleurs, bon, même avec cette femme qu'il avait rencontrée, il ne l'a pas quittée. Enfin, il ne l'a pas quitté, quel lapsus. Il ne vous a pas quitté. Oui, 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 tout à fait, oui. Puis donc, il m'a dit que c'était uniquement platonique, bon. Oui, mais ce qui est fort possible, c'était un moment se rapprocher d'une autre femme, voilà, parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez plus suffisamment disponible pour lui. Oui, et puis il avait besoin peut-être que quelqu'un l'écoute, il avait besoin d'une oreille, enfin. Oui, mais il a besoin qu'on l'écoute. Il a besoin, c'est-à-dire qu'il a besoin, au fond, que vous soyez aussi maternelle avec lui. C'est ça. Mais il vous impose une situation qui est très difficile parce que il vous fait payer des choses de son histoire qu'il n'a pas dépassées. Mais comment sortir de l'impasse, quoi? Il faudrait qu'il aille en parler, hein. Parce que oui, je reçois un message du subversif qui dit le ni avec toi ni sans toi incarne la passion névrotique par excellence. Sa perception de vous lui rappelle une autre figure qui le ligote encore. Il devrait s'allonger pour en parler. Oui, il y a une figure. En figure maternelle, après la figure du père, il y a des tas de choses. Mais cet homme, bon, je crois qu'il faudrait qu'il sente que vous n'êtes pas prête à abandonner votre position. Si,
qu'il faut qu'il comprenne aussi peut-être cet homme que s'il vous aime, s'il a été attiré par vous, c'est aussi parce que vous avez cette dimension maternelle en vous, Nadine. Peut-être. Hein, peut-être aussi que c'est une. Vous pourriez en parler avec lui. Qu'il y a chez vous cette dimension-là, maternelle, protectrice, aimante. Et comme le dit Osiris, que finalement, il vous impose cette situation, retournez-la à votre avantage. Peut-être qu'il y a de ça, c'est-à-dire, il n'en est pas tout à fait conscient, ou plus ou moins, mais... Il n'est pas parti pour cette autre femme parce que bon, elle l'attirait peut-être pour d'autres raisons, mais elle n'avait pas forcément les qualités que vous avez. Alors ces qualités, il les aime quand elles sont pour lui. Alors effectivement, quand elle s'adresse à d'autres que lui, il est jaloux, comme un enfant, comme l'enfant qu'il a été, qui reste qui reste comme ça blessé. Donc je crois que peut-être il faut montrer que vous pouvez être, quand vous êtes avec lui, très tendre, très... Et je pense qu'effectivement, essayez de ne pas vous refuser à lui, parce que plus vous allez vous enfermer dans cette dimension-là, plus vous allez vous couper de lui. Et oui. Plus vous allez vous couper de lui, plus vous allez le rejeter, plus vous allez... plus il y a une distance qui va s'installer. C'est ambivalent chez moi, parce qu'à la fois, il m'attire, j'ai des sentiments pour lui, et à la fois, j'ai envie de le repousser. Oui, mais justement, il y a un moment, vous enfermez tous les deux, dans un jeu qui est extrêmement dangereux, parce qu'au-delà du risque que cela comporte, que bon, il puisse évidemment à un moment aller ailleurs, il y a aussi le fait que vous tenez à cet homme et qu'à un moment, vous savez, le désir, c'est aussi quelque chose qui s'entretient et vous allez, c'est difficile à un moment de revenir de quand il y a même plus cette intimité. Je parle même aussi de la tendresse et un peu de corps à corps et de choses comme ça. Donc je pense que vous avez tout à gagner à garder ce côté tendre avec cet homme, parce qu'au fond c'est quelqu'un de terriblement anxieux sous ses aspects rigides. Oui, je pense. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut comprendre derrière ça. C'est quelqu'un qui a eu certainement souffert d'une éducation et ça ne veut pas dire que pour autant il faut céder d'un pouce sur, parce que je reste convaincue que ce qu'il aime chez vous aussi, et s'il vous a choisi vous, c'est parce que il y a cette dimension profondément maternelle. Et bizarrement, c'est vrai que ça fait deux fois là où sa fille fait appel à lui le mercredi et il va s'occuper de ses petites filles. Alors c'est ce qu'il me reprochait. Mais c'est bien, dites-lui, encouragez-le à cela et valorisez-le, même si il reste raide là aussi. Dire c'est important et valorisez-le dans ce qu'il fait, dans sa relation avec les petites filles aussi. Je crois qu'il a besoin, je pense que derrière son côté rigide, c'est un homme qui a besoin d'être aimé, ça certainement, mais beaucoup rassuré. Rassuré, oui. Et ma fille me dit que au contraire, rester avec lui, ça serait un petit peu comme un suicide pour moi, quoi. Alors, je sais plus quoi faire. Bon, écoutez, si évidemment il y avait quelque chose qui était de l'ordre de que la relation n'évoluait pas et que il y ait toujours un chantage et que ça tourne vraiment au chantage et que vous sentiez que vous perdez pied, oui, à ce moment-là. Mais bon, dans la mesure où on n'en est pas là, d'essayer quoi. En tout cas, pas de vous éloigner comme vous le faites. Comme vous avez déjà dit, donnons-nous une chance. Vous pouvez le faire autrement. Je pense que peut-être voir comment il réagit si vous vous montrez finalement. Plus tendre. Je le suis, mais plus tendre, plus proche de lui, quoi. Oui, parce que du coup, il peut aussi lâcher du lest par rapport à vos petits enfants, dans la mesure où il a lui sa ration. Oui. Bon courage. D'accord, je vous remercie beaucoup, Caroline. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, voilà, je vais vous exposer
un petit souci. Allô? Oui, 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 je vous écoute. Ah voilà, je suis une maman et grand-mère. J'ai 55 ans. Et je pense avoir été une mamie, une maman respectueuse. J'ai deux magnifiques, comme je les appelle, rayons de soleil de 7 ans et 4 ans. Et durant 10 ans, je n'ai eu aucun, mais aucun souci avec mes enfants. Quand je dis mes enfants, c'est mon fils et ma belle-fille. Voilà, et ils habitaient à 400 km. Quand ils avaient besoin de moi, je prenais des congés pour rendre service. Et puis c'était un bonheur de garder les enfants. Et puis voilà, ils se sont... Voilà, ils sont maintenant, ils sont à 40 km. Et voilà, ça fait un an que mon fils a complètement changé. Avec sa mère et ma belle-fille aussi. Et ça s'aggrave, quoi. Là, ça s'aggrave de plus en plus. Alors, que se passe-t-il, au juste ? Alors, il se passe que, en début d'année, après les fêtes de Noël, après Noël 2009, mon fils me dit au téléphone, « Maman, j'ai eu trop d'amour de ta part, ça m'empêche de vivre. » Et ma femme n'en a pas assez, de son côté. Alors, je lui ai dit, « Mais écoute, il faut qu'elle en parle à sa mère, je sais qu'elle a des souffrances. » Qu'elle en parle à sa mère. Et puis ça s'est dégradé, des phrases désagréables, le style, tout ce qui appartient, que tu nous as offert, il faut qu'on s'en débarrasse, il y a toute ta présence à la maison. Alors ben, je souffrais en silence. Je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être un passage où ils ne se sentent pas bien, ou tous les deux. Et puis voilà, maintenant ils sont là, ils sont à 40 km et c'est de pire en pire. Et ma belle-fille, donc ils sont partis habiter chez la maman de ma belle-fille qui a voulu m'endoctriner dans le courant de l'année. Mais attendez, ils avaient leur maison ? Ils étaient en location à 400 km. Mm-hmm. Là, ils ont une maison, mais c'est ils avaient fait construire pour du locatif. Hein. C'est une maison, ils avaient investi pour du locatif. Et là, ils veulent faire reconstruire une maison d'ici 2 ou 3 ans. Et ils habitent donc chez la maman de ma belle-fille. Donc c'est ponctuel, c'est le temps d'être dans leur nouvelle maison. Voilà. D'accord. Et j'ai découvert que la maman de ma belle-fille, je ne sais pas si je peux vraiment dire le mot secte, mais bon, voilà. Et les phrases que mon fils me disait au téléphone... Mais comment ça ? Parce qu'attendez, pas compris. Vous avez découvert quoi ? Ben, j'ai dit, bon, là, mon belle-fille m'a sollicité pour que j'aille à des réunions. Oui. Et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, que je savais ce que c'était, donc ça ne m'intéressait pas. Mmh. Et puis voilà, j'en ai parlé à ma belle-fille. Et puis tout l'été, là, quand je suis allée chercher mes petits-enfants, à 50 mètres de la maison, parce qu'il ne faut pas que je rentre chez eux, parce que la maison appartient à sa belle-mère. Donc tout se passait bien, je prenais les petits, ils venaient sur les sables d'Olonne, bon bref, bon, tout se passait bien. Et maintenant, on ne veut plus que je sois à 50 mètres de la maison, il faut que j'aille chercher mes petits-enfants sur la place de l'église. Et j'ai dit à ma belle-fille, mais j'ai quoi ce chantage ? J'ai dit, il faut que ça s'arrête. Et elle m'a répondu, maman ne veut pas. Et je lui ai dit, il faut que tu saches dire non à ta mère. Je dis, la voiture, elle ne la voit pas, il y a un grand mur, elle ne sait pas que je suis là, que je viens les chercher. Elle me dit, si, elle entend la voiture. Ça, c'est votre belle-fille qui vous dit ça. Voilà. Mm-hmm. Et donc, j'ai pris mes petits renseignements et vendredi dernier, j'ai assisté à une réunion qui était ouverte au public, qu'elle animait, que sa maman animait. Et je ne m'étais pas trompée. C'était bien ce que je pensais. Alors, je vais vous dire que, bon, je ne vais pas vous tout dire, mais je vais vous dire quand même des phrases qui ont un impact important. C'est que les croyances familiales qui demeurent en nous, nous devons nous en débarrasser. Quelle que soit leur origine, elles devront vous quitter votre conscience si vous voulez accéder à la prospérité. Et nous avons eu ça pendant de 7h30 à 21h le soir. Mais qui assistait à cette réunion ? Donc, la mère de votre belle-fille, voilà, qui animait la réunion. Qui anime des réunions. Bon, ben, oui. Ben, j'ai compris, parce que j'avais d'autres choses. Hein, je savais, bon.
Et puis, ben, mon fils, ben, on se parle de moins en moins. Et puis, ben, je pense que je suis... Il faut m'évincer. Je le ressens, et voilà. Et ma belle-fille a vécu dans son enfance une religion avec sa maman. Elle en a beaucoup souffert. Elle m'en a parlé. Je me rappelle des courriers ou des cartes qu'elle m'envoyait pour mes anniversaires en me disant qu'elle avait beaucoup de bonheur avec moi, qu'elle avait des magnifiques Noëls qu'elle n'avait jamais connus dans son enfance. Je dis, pendant 10 ans, j'ai eu aucun, mais aucun souci. Et là, voilà. Et ben voilà, je suis en souffrance. Voilà. Et je ne sais plus trop comment faire, comment agir, comment leur faire comprendre. Alors, il y a deux choses, hein, parce que il y a deux aspects. Il y a la relation avec votre fils. Oui. Et puis il y a la relation, il y a plusieurs aspects. Il y a la relation de vous avec votre fils. Il y a la relation de vous avec votre belle-fille. Il y a la relation de votre belle-fille avec sa mère. Enfin, voilà. Bon. Donc il y a plusieurs relations dans cette histoire. Bon, la relation avec votre fils, il y a des choses qui émergent. Bon, c'est peut-être douloureux à entendre, mais c'est important peut-être en même temps que votre fils puisse le dire, même si c'est douloureux pour vous. Quand il vous dit « j'ai trop d'amour », ça m'étouffe. On est très très proche, et c'est vrai que... Il a quel âge votre fils ? 33 ans. Oui. Tous les deux. Ah, quel âge ! C'est symbolique. Oui. Bon, de dire « j'ai trop d'amour », ça m'étouffe. Bon, peut-être que... J'ai entendu, hein, quand il m'a dit « j'ai compris ». Comment ? J'ai compris quand il m'a dit. On était très très proches et je me suis dit peut-être que nous sommes trop proches et qu'il a. J'ai compris hein, quand il s'est exprimé. Hein, je me suis dit bon ben Frédéric a peut-être besoin de prendre ses distances avec moi quoi. Je pensais que. Ne donnez pas trop de prénoms. Hein. Oui, c'est vrai. Donc peut-être qu'il a besoin de prendre un peu de distance pour. Comme vous me dites, vous avez une relation très fusionnelle, oui. Y compris qui s'est maintenue, enfin, alors qu'il était en couple. Oui. Hein? Alors que, en principe, bien quand on construit son couple, pour construire justement un couple, sa vie amoureuse, ça veut dire qu'on a un peu, voire un peu beaucoup, désinvestit son premier amour, oui. Qui est sa mère ou son père. Ou bon. Et lui, eh bien, n'avait peut-être pas pu jusque-là le faire. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué quand on le fait à l'âge adulte. Hein? Vous l'avez élevé seul ? Une partie. Mm-hmm. Oui. Bon, en même temps, vous savez, je pose la question, ça peut aussi arriver... Dans des familles où les deux parents sont présents, hein, parce que parfois les deux parents sont présents, mais l'un n'est présent que physiquement et psychiquement, il n'est pas très présent. Hein. Oui, tout à fait, donc peut-être que si vous voulez pour votre fils, c'est une étape dans son évolution et qu'il va falloir, même si c'est difficile, prendre un peu sur vous et puis l'accepter, parce que c'est pas du rejet qu'il manifeste. Non. Hein, c'est non, j'ai pas pris ça comme un rejet. Je me suis même dit, il a jamais eu de crise d'adolescence, il a jamais, on n'avait jamais eu de soucis. J'ai dit peut-être que c'est maintenant qu'il a besoin de s'exprimer. Oui, parce qu'au fond, ce qu'il vous dit, c'est pas, il vous dit pas, il vous jette pas la figure que vous l'avez pas aimé et tout. Au contraire, vous lui en avez donné trop. Alors bon, finalement, c'est compliqué pour les parents, hein, parce qu'ils s'entendent dire que ils n'ont pas assez donné ou trop. Bon, c'est difficile de trouver un juste milieu. Peut-on trouver un juste milieu ? Bon, donc peut-être qu'il a besoin pour de s'affirmer un peu en tant qu'homme vis-à-vis de sa femme par rapport à ses enfants qui sont encore petits. Oui. Alors, ça c'est une chose. Votre belle-fille, j'entends, vous me dites qu'elle a été en souffrance par rapport à sa mère. Toute son enfance. Alors, elle n'a pas choisi sa religion, on lui a imposé. Mm-hmm. Et c'est une religion où, il y a encore quelques années, on les mettait à l'écart dans les cours d'école. Oui, où on fait du prosélytisme, où les gens viennent souvent frapper à la porte et essayer de voir recruter des gens. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, je ne voulais pas dire. Oui, je vois très bien, je pense que tout le monde a compris.
Ben, moi, ils vont par deux souvent. Donc en fait, c'est vrai que forcément, c'est dans. C'est une secte, hein, d'ailleurs, plus qu'une. Donc finalement, ce sont les témoins de Jéhovah. Oui. Donc finalement, dans ces cas-là, tout ce qui est extérieur est perçu comme dangereux parce que menaçant l'intégrité du groupe. Donc effectivement, pour les enfants qui grandissent là, comme dans tout groupe sectaire, c'est très compliqué parce qu'effectivement, ils fonctionnent avec l'idée que l'extérieur est un peu menaçant. Comme son mari qui est du même âge. Je me suis bien rendu compte quand ils étaient mariés. Alors en même temps, c'est quand même très positif puisqu'elle a pu épouser quelqu'un qui n'est pas dans ce mouvement. Elle avait quitté normalement, elle m'avait dit qu'elle n'était plus. Mon fils a choisi sa femme, c'est normal. Je n'avais pas à dire. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les phrases que mon fils m'a dites, je les ai retrouvées écrites de la main de sa maman. Oui, mais pour autant, écoutez, votre fils, il y a peu de risques que, franchement, qu'il bascule là. Prenez un peu de recul par rapport à ça, à mon avis. C'est pas parce que, vous voyez, je vois pas pourquoi subitement il se mettrait à épouser ça. Moi, je pense pas. Bon, que votre belle-fille, elle veuille se rapprocher un peu de sa mère parce que elle a été en souffrance et c'est toujours le cas des enfants qui ont été pour d'autres raisons, pas parce que sa mère était dans ce moment-là, mais parce que sa mère, vous dites, elle a été aussi au-delà, et ça n'a rien à voir avec, mais elle a été un peu carencée affectivement, et qu'elle cherche à se rapprocher de sa mère, comme souvent les enfants qui ont été carencés affectivement, qu'elle cherche à se rapprocher de sa mère, bon, c'est une chose. Moi, ce que je vois, c'est que même si ça complique les relations en ce moment, vous avez toujours des liens avec vos petits-enfants. Donc, préservez ce lien-là. Oui, parce que j'ai la chance, je dis bien, je voudrais bien que toutes les mamies aient le bonheur que j'ai parce que j'ai mes petits-enfants sont vraiment adorables avec moi. Oui. Mais j'ai ressenti en eux, quand je les prenais donc à 50 mètres de la maison de leur grand-mère, ils arrivaient en courant, je sentais que c'était naturel. Et là maintenant qu'on m'a imposé de les prendre sur la place de l'église du village. Mais qui vous impose ça finalement ? Ben, ma belle-fille. Et votre fils ? Ben, il me dit pareil parce qu'il me dit c'est comme ça. Et parce que faut se dire que la maman est retombée dans. Je ne sais pas si c'est la même secte ou si c'est une autre, mais c'est très ressemblant. Mais retombée, c'est-à-dire. Parce qu'apparemment, elle aussi avait quitté cette religion et là, elle est. Depuis 2 ans, elle est encore dans une religion, je pense que c'est la même, mais bon. Je ne vais pas l'affirmer, mais j'en ai pratiquement les preuves. Oui, mais ça risque de créer peut-être des problèmes dans leur couple à ce moment-là. La famille me le dit, mais vous savez. Et c'était un couple qui respirait le bonheur. Ça, il faut être vigilante peut-être par rapport aux petits-enfants quand même. Vous verrez par rapport à ce que vous disent vos petits-enfants. Oui. Parce que si vous entendiez, on dit bien les parents, on dit élèvent leurs enfants comme ils veulent. Enfin, quand il y a quand même quand on est dans des mouvements sectaires, en tant que grands-parents, vous avez la possibilité quand même de faire un signalement. Oui. Si c'était le cas, si vous appreniez que les enfants sont amenés dans les réunions et autres, sachez que vous avez la possibilité de faire un signalement au juge des enfants. Je vais vous dire, c'est qu'à leur domicile, leur grand-mère fait des réunions et passe des films, et c'est à leur domicile, et j'ai les horaires, et ils ne sont pas à l'école quand ça se passe. Ils ne sont pas à l'école ? Mais non, ils vont à l'école. Oui, mais l'école n'est pas obligatoire. Quand elle reçoit à son domicile, elle fait des journées à thème, et il y a des films qui sont passés dessus. Je ne sais pas si je peux dire. Vous dites pas. Voilà. Mais les films, oui, mais est-ce que les enfants en parlent ? Ils sont petits, là, encore. Ils vous en parlent ? Oui, 4 ans et 7 ans. Ils vous en parlent, vos petits-enfants ? Ma petite-fille de 4 ans m'a dit « Mamie ne veut pas que tu viennes nous chercher ici. » Non, mais ça, j'ai compris. Mais est-ce que vos enfants vous parlent de ces films ? Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu. Parce qu'elle peut très bien passer des films et que les enfants jouent dans leur chambre. Et vous voyez, que les enfants aussi. Hein. Parce
donc elle reçoit. Elle fait... Non, mais parce que de deux choses l'une, soit. Parce que la grand-mère, après tout, bon, elle est là-dedans et depuis un moment, mais elle peut très bien continuer à faire ses réunions chez elle, recevoir, mais après tout, les enfants, eux, peuvent avoir des activités, jouer, ne pas participer à ces réunions. J'espère que. Bon. Si, finalement, vous appreniez par vos petits-enfants qui sont amenés aux réunions, là, qui commencent à être endoctrinés, sachez que, en tant que grands-parents, vous pouvez, faire un signalement au juge pour enfants. Oui, il est clair que ça va pas. Vous pouvez déjà en parler à votre fils, je dirais quand même avant. Je suis allée parler. Parce qu'il est clair qu'un signalement au juge pour enfants, ça va pas arranger vos relations. Hein. C'est évident. Oui. Donc, avant toute chose, si c'était le cas, on n'en est pas là. Si vous constatiez que vos enfants pouvaient être endoctrinés, vos petits-enfants, pardon, ben, évidemment, en premier lieu, on parle à votre fils, puisque lui n'a pas été élevé dans cette éducation-là. Oui. Donc, en tant que père, peut-être que il pourrait dire, moi, je ne tiens pas à ce que mes enfants soient endoctrinés. Si lui-même est pris là-dedans, ben, écoutez, dans ces cas-là, vous pouvez, en tant que grand-mère, faire un signalement au juge pour enfants. Mais ça n'arrangera pas, c'est clair, les choses, mais à ce moment-là, il peut y avoir une protection par rapport à vos petits-enfants et peut-être une mesure d'action éducative en milieu ouvert. Oui, parce que mon fils a vraiment changé. C'était quelqu'un avec qui je pouvais discuter. Oui, mais ça, j'ai compris. Mais c'est pas, si vous voulez, ce que j'ai du mal à, pour le moment, et ce qu'il faut, c'est pas que je veux dédramatiser à tout prix, mais j'ai pas suffisamment d'éléments et j'ai l'impression que vous non plus, Bénédicte, pour le moment. Je comprends votre angoisse, mais il a changé, mais il y a en même temps, un élément où il vous dit oui, il s'éloigne de vous, mais il y a une raison, parce que il a peut-être besoin, et c'est une étape nécessaire, de sortir de cette relation fusionnelle. Ça ne veut pas dire pour autant que de cette relation fusionnelle il va complètement tomber dans un mouvement sectaire. Bon, donc vous voyez, on manque d'éléments là. Ben, disons que moi, j'ai les éléments. Je sais que c'est un mouvement sectaire. Mais non, mais, oui. Mais bien sûr, Béatrice. Mais ça ne veut pas dire que votre fils, il est... c'est pas parce qu'il s'éloigne de vous qu'il est lui. Il peut être dans une famille qui est témoin de Jéhovah sans lui-même être témoin de Jéhovah. Oui. Jusque-là, il l'avait bien accepté. Bon, donc, écoutez, là, vous allez peut-être dans votre douleur d'être aussi du fait de cet éloignement, peut-être en train de dramatiser un peu le tableau. Je veux pas dire que je cherche à tout prix à le dramatiser, mais attention de pas aller non plus trop vite. Prenons le temps. Je vous dis quelles peuvent être les possibilités si jamais vous constatiez que vos petits enfants étaient endoctrinés. Il y a un signalement qui peut être possible. Mais un signalement va entraîner, évidemment, ne va faire qu'aggraver les tensions. Et si oui, c'était le cas, il est clair qu'il y a une protection des enfants qui s'avère nécessaire. Oui. Mais avant toute chose, comme vos petits-enfants, pour le moment, ils ont quand même 7 ans, notamment celui de 7 ans peut vous en parler, il sera toujours temps d'en parler à votre fils. Si vous considérez qu'il n'est pas en état de répondre et que les enfants sont amenés à ces réunions, vous avez cette possibilité-là de le faire. Pour le moment, peut-être que c'est juste un éloignement de votre fils dont il a besoin et qu'un peu de patience et qu'il reviendra vers vous. Je crois que c'est ce qu'il faut pour le moment envisager et ne pas aller trop loin. Bon courage en tout cas. Bon courage, Bénédicte. Au revoir. Alors Cathy nous envoie un petit SMS pour dire oui, c'est une règle des sectes de rassembler tous les membres de la famille. Bien sûr, c'est évident. En général, elles n'acceptent pas des personnes en dehors qui ne font pas partie de leur secte. Mais bon, là, c'est quand même un peu particulier parce que la belle-mère
De, enfin, c'est pas la belle-mère, puisque j'allais dire la belle-mère de Bénédicte. Non, mais la mère de la belle-fille de Bénédicte, c'est pas nouveau. Hein, elle fait partie des témoins de Jéhovah depuis très longtemps, puisque déjà, quand la belle-fille de Bénédicte était petite fille, sa mère en faisait partie. Cette jeune femme a pu se marier avec le fils de Bénédicte. Elle avait continué à avoir des relations avec sa mère. Donc, bon, il y a quand même une certaine ouverture. Et là, oui, il y a un retour dans cette famille. Donc, peut comprendre l'inquiétude de Bénédicte, d'autant qu'il y a le changement d'attitude de son fils. Mais le changement d'attitude de son fils, il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en ligne de compte. C'est ça qui est compliqué dans cette histoire, et que tout n'est pas forcément imputable à cette histoire de secte. Hein, c'est pour ça qu'il faut peut-être être prudent et ne pas envenimer les choses, parce que le fils de Bénédicte, comme j'expliquais à Bénédicte, a peut-être besoin de cette étape dans sa vie d'homme, de se détacher, même si c'est douloureux forcément pour Bénédicte, mais pour mieux revenir vers elle et revenir différemment, c'est-à-dire en étant dans une relation plus mature au fond. Et c'est vrai que c'est plus simple quand ça se passe à l'adolescence, parfois avec fracas, parfois moins. Il y a des adolescences qui se passent sans fracas. Quand ça se passe à l'âge adulte, c'est plus compliqué. Et là, je crois qu'il faut pour les parents être patient, savoir respecter aussi un peu cette prise de distance et ne pas envenimer les choses. Bon, c'est pour ça que je disais avant de parler de signalement, puisque pour le moment les enfants ne font état de rien, ne sont pas amenés dans des réunions, savoir raison garder et ne pas mettre en place un signalement qui aurait lieu d'être si les enfants, évidemment, étaient endoctrinés. Là, il est du devoir des grands-parents, des membres de la famille de signaler, parce qu'il y a danger moral pour les enfants. Des mails qui... Il y a d'ailleurs un SMS qui arrive aussi, qui dit « Votre fils est sûrement un peu en contradiction, mais ça ne veut pas dire qu'il pense pas à vous, à sa famille. Laissez-lui le temps de prendre la bonne décision. » Et puis, des mails encore qui arrivent par rapport au premier thème qu'on a abordé, les rencontres par Internet. Angela dit « Je crois pas trop aux rencontres sur le net. Je l'ai un peu essayé quand j'étais étudiant. » Mais finalement, un de mes bons copains a rencontré sa copine sur le net et ça fait pas mal d'années qu'ils sont ensemble. Et puis il y a le valet de cœur, tiens, qui dit se cacher derrière un écran est si facile pour séduire. Le regard et l'émotion décelée dans la voix sont tellement plus révélateurs de ce qui est vrai. Et oui, c'est vrai, ça fait plaisir de vous retrouver, le valet de cœur. Michel me dit, j'ai rencontré un ami sur le net, un grand coup de cœur sur un réseau social, sans chercher. Depuis 3 mois, je suis sur un nuage, nous échangeons par mail, en anglais s'il vous plaît. Nous nous appelons presque tous les jours et je suis prête à le rencontrer à 1200 km de chez moi. Mais j'espère que vous nous raconterez, Michel. Allez, on va terminer en musique avec Joe Cocker.